Messieurs, dames, je voulais vous dire, ça y est, je me suis fait identifier ma ligne téléphonique. Depuis que j'ai ouvert ma ligne, il y a un youtubeur, une fille qui a vu mes vidéos sur YouTube, qui m'a appelé. C'était avant-hier sur mon téléphone portable que j'avais laissé sur YouTube. Je l'ai laissé exprès pour que les gens m'appellent. Elle m'a dit que, ouais, j'ai vu tes vidéos sur YouTube. Allez, comment tu les as aimées, tu les as aimées, les vidéos? Elle m'a dit, ouais, je les aimais. Voilà, moi, j'ai dit, tu es où? Tu es de Bordeaux? Elle me dit, ouais, je suis de Bordeaux. J'ai demandé si je voulais la revoir. Mais bon, non, elle m'avait juste téléphoné comme ça, c'est tout, pour me dire qu'elle aimait bien mes vidéos. Elle compte pas me revoir, mais elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle aimait mes vidéos sur YouTube. Bon, donc, voilà, bon, j'ai reçu enfin un coup de téléphone de quelqu'un qui aime bien mes vidéos. Bon, ça fait plaisir de voir un coup de téléphone. Bon, cette personne ne m'avait pas appelé en visio. Ça, c'était, voilà, mais moi, j'avais dit sur YouTube, j'accepte uniquement qu'ils les appellent en visio. Mais elle m'avait fait en appel normal. Bon, la prochaine fois, essayez de m'appeler quand même en visio. Voilà, quoi. Bon, mon numéro est identifié. Bon, c'est parce que là, je l'ai fait identifier ce matin. Parce que j'ai pas eu le temps de la faire, de le faire faire la fois d'avant. Bon, donc je l'ai fait faire ce matin. Ça y est, la ligne est identifiée. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'Orange me dise rechargez votre téléphone avant telle date, sinon votre ligne risquerait d'être désactivée. Si Orange m'envoie ce message, là je mets une carte, je recharge. Mais tant que je n'ai pas reçu un message disant rechargez votre téléphone avant telle date, eh bien je ne recharge pas. Là je l'ai fait identifier parce que Orange m'a envoyé un SMS il y a quelques jours à peine. Bon, donc du coup j'ai dû me faire identifier là aujourd'hui parce que Orange me l'avait demandé. Mais par contre, ce que je vais faire, avant de remettre du crédit de communication, parce que là, quand ils me demanderont de remettre du crédit que ma ligne sera désactivée avant telle date, cette fois-ci, là, je vais m'acheter une puce Orange. Il y en a pour 30 euros. Il y a 60 mégaoctets d'Internet. Voilà. Et du crédit de communication. Voilà. Bon, Internet, j'en aurais pas forcément besoin parce que je fonctionne avec le Wi-Fi. Mais par contre, pour le téléphone, il va falloir que j'achète une carte téléphonique pour pouvoir rappeler les gens qui m'ont appelé. Voilà. Mais en tout cas, la ligne est activée et vous pouvez me joindre sans problème parce que voilà, bon, la fille là m'a joint. Bon, elle voulait juste discuter avec moi des vidéos que j'avais mis sur YouTube. Elle a trouvé ça pas mal, elle a trouvé ça bien. Et je l'ai eu au téléphone en direct. Elle m'a appelé au numéro que j'ai laissé sur les réseaux sur YouTube. Mon numéro de téléphone, elle m'a appelé à ce numéro et voilà. C'est vrai qu'on a discuté un bon 20 minutes. C'est vrai que c'était sympa cet échange. C'était sympa. Et n'hésitez pas. Et par contre, ne m'appelez pas qu'en mail, quoi. Appelez-moi en visio, pas en audio, quoi. Voilà. Bon, je vous remercie et je vous dis à bientôt, mes amis youtubeurs. Allez, à bientôt.